Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forum. Bonsoir Mathias. Allô Anne-Sophie. Bonsoir Anne-Sophie. L'islam est-il soluble dans la modernité? En Europe, la question taraude citoyens et politiques, même si, évidemment, elle choque au plus haut point l'écrasante majorité de la population musulmane. Oui, Anne-Sophie, pourtant la question est posée, et tout particulièrement aux Pays-Bas. Depuis l'assassinat de Theo van Gogh, cinéaste et pamphlétaire, plus rien n'est comme avant, et la proverbiale tolérance néerlandaise a cédé le pas à la haine. En France, Forum va donner la parole à de jeunes musulmans pratiquants. Ils disent leur mal-être face à une société dont ils se sentent souvent exclus. Au même moment, en Allemagne, les musulmans modérés se mobilisent pour éviter l'amalgame avec l'extrémisme islamiste. Alors, notre invité de ce soir est historien de la pensée islamique. Il enseigne aux États-Unis, en Angleterre, en Indonésie, dans beaucoup d'autres pays. Mohamed Harkoun, bonsoir. Merci bonsoir. D'être venu sur ce plateau. Merci. Vous allez sortir dans un mois un livre qui s'appelle Humanisme et Islam. Ça sort au mois de février, c'est ça? C'est ça, oui. Le fait ce titre, il n'a pas été choisi au hasard. Le fait d'accoler les deux mots en même temps, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez peur qu'on dissocie durablement en Europe, en Occident de manière générale, mais en Europe en particulier, les deux termes. On a tous en tête les images du 11 septembre, le corps de Theo van Gogh, les talibans en Afghanistan, l'humanisme et l'islam, ça fait pas bon ménage? Oui, c'est une sorte de provocation que d'afficher un tel titre d'un ouvrage par les temps qui courent, parce que depuis une vingtaine d'années maintenant, et ça fait beaucoup, c'est pas seulement depuis le 11 septembre, nous vivons des drames un peu partout, à l'intérieur des pays musulmans eux-mêmes. N'oublions pas la guerre civile en Algérie qui a duré 12 ans. Combien de centaines de milliers de morts? Oui, on dit des chiffres, 150 000. Et quelles morts et dans quelles conditions? Et avec un islam qui s'exprime au nom de l'islam, on tue au nom de l'islam. Et il y a donc une lame de fond qui traverse le monde entier. Parce que l'islam est présent dans le monde entier. Et cette lame de fond travaille toutes les sociétés qui se disent musulmanes. Parce que quand on dit par exemple que l'Indonésie est un pays musulman, on fait un raccourci extraordinaire, parce qu'en Indonésie, il y a plusieurs centaines de langues, et qui dit langue dit culture, très différentes les unes des autres. Et donc, si l'on fait la sociologie de cet islam dans un pays qui est à lui tout seul une sorte de continent, on s'aperçoit qu'on fait des raccourcis absolument impardonnable et qui crée cette phobie d'une force insaisissable qui vient de partout et que l'on présente effectivement comme menaçante. Mais je précise tout de suite qu'elle n'est pas seulement menaçante pour les Européens, elle est menaçante à l'intérieur des pays eux-mêmes. Le Maroc a connu des attentats, d'autres pays ont connu des attentats. Donc il faut regarder ce phénomène à l'échelle mondiale, et essayer de comprendre ce qui s'est passé au moins depuis 1945. On va essayer. Pas depuis le 11 septembre. On va essayer, mais nous allons nous cantonner sur l'Europe, car notre émission parle d'Europe. Et une société qui a été particulièrement choquée par ce qui s'est produit, c'est la société néerlandaise. La société néerlandaise qui se voulait être un modèle de tolérance à l'endroit de l'immigration, y compris musulmane, telle était l'image que les Pays-Bas aimaient à donner d'eux-mêmes. Mais l'assassinat du cinéaste Theo van Gogh est venu ébranler ces belles certitudes, et le pays ne se reconnaît pas dans l'image que lui renvoie l'actualité. Attentats contre les mosquées, menaces de mort, montée des exaspérations et des haines, le reportage de Ludovic Jean. Theo ging flink tekeer tegen alles wat hij zag als misstanden in de samenleving. C'était le 2 novembre dernier à Amsterdam. Des milliers de Néerlandais venaient rendre hommage à Theo van Gogh. Le cinéaste provocateur vient d'être assassiné suite à son film très polémique sur l'islam. Devant la foule, la ministre de l'intégration prend la parole. Dit land mag niemand vermoord worden omdat hij voor zijn mening uitkomt. Dat willen wij niet. Dat willen wij niet. Une lettre a été retrouvée sur le cadavre. Elle menace Ayaan Hirsi Ali, député d'origine somalienne, qui a coécrit ce film provocateur dénonçant la condition de la femme musulmane. Très vite, la police arrête l'assassin de Theo van Gogh, Mohamed Bouyeri, un musulman intégriste.
Dans les jours qui suivent l'assassinat, une dizaine d'attentats visent des mosquées et des écoles musulmanes. Des actes isolés, certes, mais 40% de la population souhaite désormais que les musulmans ne se sentent plus chez eux aux Pays-Bas. Le député Geert Wilders fonde alors un parti populiste prônant une politique de fermeté. Il est tout de suite menacé de mort par les islamistes. Le pays de la tolérance se découvre intolérant. C'est l'électrochoc. Fait rarissime, la reine est poussée par le gouvernement conservateur à sortir de sa neutralité. Mais comment en est-on arrivé là ? C'est l'indifférence par rapport à un problème de l'immigration qui s'est développé, qu'on a laissé se développer sans le structurer. Sylvain Efimenko, essayiste franco-néerlandais menacé de mort par les islamistes. Il faut comprendre qu'aux Pays-Bas, la société a été pacifiée entre les catholiques, les protestants, les socialistes, les libéraux, au siècle dernier, par justement un système de compartimentage que les Néerlandais appellent le Verzuiling, colonnade, où chacun est enfermé dans son compartiment avec son propre syndicat, ses écoles, etc. Et c'est une société, en fait, qui est fondée sur la pacification, mais sur l'apartheid en même temps. Tout le monde vit à part. Qui était l'assassin de Théo Van Gogh ? Issu de la seconde génération d'immigrés marocains, bacheliers, Mohamed Bouyeri semblait bien intégré. Mais voilà, problèmes familiaux, déracinement, le jeune homme se cherche et fréquente l'une des 50 mosquées d'Amsterdam, El Taouid. Les services de renseignement savent aujourd'hui que cette mosquée était fréquentée par Mohamed Atta, l'un des cerveaux du 11 septembre. Au nom de la liberté d'expression, les Pays-Bas acceptent toutes les formes de prédication. Toutes les mosquées n'abritent pas de terroristes, mais certaines prônent un islam très conservateur. Nous nous rendons à La Haye pour la prière du vendredi. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à pénétrer dans une des mosquées les plus fondamentalistes du pays. Ce jour-là, l'imam dénonce au nom des musulmans la prostitution et la pédophilie en Thaïlande. Pour lui, le récent raz de marée est une punition divine. Chaque vendredi, près de 3000 musulmans viennent écouter cet imam syrien. Son discours fondamentaliste semble attirer des musulmans déboussolés par la société néerlandaise. Si les Néerlandais se permettent n'importe quelle mœurs, de transgresser les lois divines et de nous faire la morale, qu'ils nous permettent en revanche à nous musulmans de prêcher la bonne conduite, les valeurs et les principes de l'islam. Imam Fawaz Jned condamne l'assassinat de Théo Van Gogh. La présence des musulmans engagés et pratiquants est bénéfique pour la société néerlandaise. Les expulser provoquerait une punition divine, comme cela a été le cas en Asie. Et c'est ce qui risque d'arriver à l'avenir si l'on nous force à partir. Le discours fondamentaliste n'explique pas à lui seul l'influence de la mosquée. Celle-ci propose également une multitude d'activités culturelles et éducatives. 800 enfants et adolescents reçoivent ici un soutien scolaire. Le ministère de la Justice y envoie même de jeunes condamnés effectuer des travaux d'intérêt généraux. Je trouve très franchement qu'il y a beaucoup de bonté, de tolérance, de sens du pardon au sein du peuple hollandais. C'est un peuple compréhensif. C'est à Rotterdam aujourd'hui que l'on découvre l'un des plus grands symboles de cette compréhension. Alors voilà, ici c'est l'endroit où se construit la mosquée Salam. Financée par un prince des Émirats Arabes Unis, elle sera la plus grande mosquée d'Europe. Le président de cette fondation, Al Maktoum, donc, est quelqu'un qui ne porte pas, par exemple, Israël dans son cœur et qui le montre bien en écrivant des poèmes, faisant l'apologie des attentats suicides en Israël. Ça pose problème, oui. La tolérance est-elle devenue laxisme ? Certains responsables politiques refusent cette idée. C'est le cas de l'ancien ministre travailliste de la Justice, aujourd'hui maire d'Amsterdam. Je pense qu'il est trop facile de dire que cette société multiculturelle est un fiasco. Job Cohen, lui aussi, est menacé de mort. Il prône la tolérance. La tolérance, je pense, est aujourd'hui une notion très importante. Mais je pense aussi qu'elle doit aller de pair avec des limites. Je ne suis pas prêt à ce que l'on transgresse ces limites. Mais quelles sont ces limites ? Il faut revenir à une société neutre avec des valeurs fondamentales
comme l'égalité entre les sexes, la liberté d'opinion, qui doivent être acceptées par toutes les religions, par toutes les communautés. C'est essentiel de rassembler une société aussi diversifiée sur le plan ethnique autour de valeurs universelles. Déstabilisés, les Pays-Bas sont désormais à la recherche d'un nouvel équilibre. Herr Kuhn, das holländische Integration... Mohamed Erkun, le modèle d'intégration néerlandais, le modèle du chacun pour soi, un modèle dont les Néerlandais étaient extrêmement fiers, il se solde par un échec manifeste. Pourquoi ? Pourquoi ? Je connais bien la Hollande, j'y ai enseigné, travaillé pendant 4 ans, et j'ai essayé de faire là-bas, comme en France et ailleurs, un travail d'explication. C'est difficile de ramasser les choses. Mais l'islam doit d'abord être pris dans sa situation historique, pardonnez-moi de remonter loin, jusqu'au XIIIe siècle. Parce qu'on ne fait pas suffisamment d'histoire pour expliquer les tragédies pareilles. Je dis que ces tragédies sont des tragédies politiquement programmées. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez, oui, vous pouvez nous expliquer ? Je vous explique. Ces musulmans ont commencé à venir dans toute l'Europe après les décolonisations, après les libérations des dominations coloniales. Et lorsqu'ils sont venus, ils espéraient trouver dans les anciennes métropoles, il y a beaucoup d'Indonésiens en Hollande, parce que la Hollande était le pays dominant en Indonésie, comme ici en France, etc. Ils sont venus avec cet espoir de trouver un refuge, parce que au lendemain des indépendances, dans tous les pays musulmans, tous sans exception, il y a eu une révolution politique conduite par des partis-États. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout. Non, mais on parti étape, ça veut dire parti unique, confisqué, monopolisé par un groupe de gens. Donc ils sont venus se réfugier en Europe pour échapper à cette configuration politique-là. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et ils l'ont fait jusqu'à présent, ça continue. Par exemple, pendant la guerre civile d'Algérie, des années 90, combien d'Algériens sont venus chercher refuge en France. Bon, alors donc, au départ, il y a un espoir. Et comment on en arrive à la tragédie ? Alors, il y a un espoir. J'ajoute, par exemple, en France, et en Hollande aussi, on a fait venir aussi des travailleurs parce qu'on manque de main-d'œuvre pour les travaux que les citoyens européens refusent de faire. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple. Les Turcs n'ont pas été chassés de chez eux. Il n'y a pas eu de coup d'État ou de décolonisation. Les Turcs ont été des immigrés, des travailleurs immigrés. Exactement, des travailleurs immigrés. Effectivement, Atatürk a dégrossi un peu les choses en Turquie à cause de l'introduction de la laïcité commencée. Mais il n'empêche que, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut considérer la situation actuelle de l'islam dans une trajectoire historique longue. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le XIIIe siècle ? Pourquoi le XIIIe siècle, XIIIe, XIVe siècle ? Mais on voudrait que vous repreniez le cours de votre raisonnement, Mohamed Erkun, qui était assez passionnant, parce que moi, je veux bien qu'on vienne au XIIIe siècle, mais ça va être très compliqué, Je ne vais pas m'attarder. J'aimerais que vous nous expliquiez comment on est passé de l'espoir d'une population qui est émise à la tragédie. Oui, voilà. Deux mots seulement. C'est pour vous expliquer... Oui. Ce discours que parlent les musulmans aujourd'hui, oui. Ils sont musulmans, ils se réfèrent à l'islam. À quel islam se réfèrent-ils ? Que connaissent-ils eux-mêmes de l'islam ? C'est ça la question que je veux poser. Pour comprendre la façon dont ils parlent, il faut savoir que la théologie a disparu de la pensée islamique. Donc le débat... Depuis le XIIIe siècle, elle a disparu. Imaginez... un christianisme qui n'aurait pas du tout de théologie aujourd'hui. Et un protestantisme, surtout en Allemagne, les Trolls et compagnie, qui ont vraiment fait évoluer la théologie
protestantes et catholiques en bénéficiant de ce que la modernité a apporté pour réinterpréter la fonction, les fonctions de la religion dans la société. Mme Darcou, donc j'essaye de bien comprendre. On a affaire à des populations musulmanes qui se réfugient en Europe pour des raisons économiques ou politiques, qui ont en tête, dans leur référence, un islam du XIIIe siècle. Donc expliquez-nous maintenant, tous les ingrédients sont réunis, comment on en arrive à la situation présente. Ce n'est pas un islam du XIIIe siècle. C'est un islam qui s'est dissous, qui s'est désintégré progressivement pendant 5 siècles. C'est beaucoup, 5 siècles. Et lorsqu'on aborde la modernité, et lorsque les partis États prennent le pouvoir dans les pays musulmans, vers quoi ont-ils regardé? Quelles ont été leurs références en matière de philosophie politique? Il faut quand même un peu de réflexion politique pour faire de la politique et faire marcher les... Vers où? Comme ils ont rejeté les pays colonisateurs, ils voulaient éradiquer toute référence à ces pays, alors ils avaient deux possibilités. Il y avait encore l'URSS, le modèle collectiviste de l'URSS, et il y avait l'islam. Mais l'islam qu'ils ont invoqué, il n'est pas du tout connu, étudié, puisque, encore une fois, l'islam auquel ils réfèrent, c'est l'islam du 7e siècle. Mohamed Darcoun, on a quand même envie de comprendre quelle est la responsabilité des sociétés européennes qui les ont accueillies. Les responsabilités des sociétés. Les Néerlandais qui sont quand même un modèle de tolérance, où est leur erreur là-dedans? Est-ce qu'on a été trop tolérant? Quelque part dans le reportage, on le dit, on a été tolérant au point d'être laxiste. Est-ce que c'était ça aux Pays-Bas par rapport à l'extrémisme? Alors, ce n'est pas le. Il ne faut pas dénoncer le laxisme, encore une fois. Vous savez que la politique hollandaise, c'est la pilarisation. Pillars, en anglais, pilarisation, c'est-à-dire chaque communauté est considérée comme un pilier à elle toute seule, et donc on la soigne, on lui donne des crédits, elle a des bibliothèques, elle a des écoles, etc. Donc alors, où a été l'erreur de Néerlandais? L'erreur, c'est de faire cette pilarisation, parce que qu'est-ce qui peut s'enseigner dans une école créée dans ces conditions, en toute autonomie, par des musulmans? Quelle culture ces musulmans-là apportent et véhiculent? C'est la même chose en Belgique, quand la Belgique a reconnu l'islam comme religion officielle en 1973. Et vous savez, la conséquence en Belgique, c'est que l'État belge doit financer des professeurs d'éthique qui doivent enseigner l'éthique dans les lycées de Belgique. C'était une erreur fondamentale. Ok. Mme Darcoun, c'est une erreur d'appréciation. Ça n'est pas que je sois contre, mais c'est une erreur d'appréciation parce qu'ils ne savent pas quel est le personnel qui va venir prendre en charge un enseignement de l'éthique dans un pays comme la Belgique ou n'importe quel pays européen, parce qu'il y a un fossé considérable entre une modernité qui s'est développé en Europe, dans tous les pays d'Europe, et qui a changé complètement le regard des Européens sur la religion en général. Or, l'islam n'a pas connu cela du tout et ne le connaît pas encore. Vous avez été clair. Vous avez été clair. On parle beaucoup des musulmans. Eh bien, nous, à Forum, on a décidé de leur donner la parole à ces musulmans français qui ont retrouvé leur texte, qui se rapprochent de leur religion et qui, souvent, disent se sentir agressés. C'est un reportage, vous allez voir, c'est assez passionnant, à Paris 13, de Frédéric Boisset. Si je dois mettre un badge en cache-mèche, je ne suis pas terroriste, je viens le mettre, mais bon, est-ce que ça changera quelque chose? Maria Ben Ali, 27 ans, étudiante en droit, a choisi de porter le voile il y a 3 ans. En France, on fait énormément d'amalgames et on a tendance à chaque fois à regarder ce qui se passe ailleurs. Alors que le problème du foulard en France, c'est un problème franco-français. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va chercher tout le temps les problèmes que les femmes subissent en Iran, que les femmes subissent au Pakistan, en Afghanistan, que ce que subissent les femmes en Arabie Saoudite. Je veux dire, nous, on se distingue complètement de ces femmes-là. Je veux dire, on a une éducation française, on a grandi en France, on a été élevé en France, on a vraiment assimilé toute cette identité occidentale. Donc à partir du moment où on a décidé de porter notre foulard, c'est vraiment une compréhension de l'islam qu'on a vraiment cherché. Et pas qu'on a été cherché au Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde et qu'on a calqué. Maintenant qu'on commence à faire des études supérieures, qu'on commence à accéder à des postes importants, ça pose problème. Nora Yamani, 25 ans, étudiante en droit. La femme de ménage qui fait le ménage ici, qui est femme de je ne sais quoi,
qu'à mettre le voile. On lui dit, oh, bon, c'est pas grave, Fatima, c'est pas grave, femme de ménage. Mais là, la plupart d'entre nous, on accède à des études supérieures, on est là, on est présent, on participe à la vie politique, on fait du social, on fait du travail de fond. Et on nous dit, non, vous n'êtes pas français. Alors on est quoi dans ce cas-là? Si jamais on sait qu'il y a une fille à qui on impose le voile, on sera les premières à dire non, l'islam ne t'impose pas le voile. L'islam te dit si tu décides de le mettre, tu le mets. Donc on sera les premières à se battre et à manifester et à lutter contre celle à qui on impose le voile. Et ça, je pense que ce côté-là, personne ne veut le voir. La seule chose que les gens veulent voir de nous, c'est on cautionne ce qui se passe dans le reste du monde. Non, on cautionne pas. On cautionne vraiment pas ce qui se passe dans le reste du monde parce qu'au contraire, on se bat pour les droits de la femme. On peut être musulmane, féministe. Ça existe. C'est énorme, quoi, ce qu'on vit en ce moment. C'est, on peut plus vivre notre religion comme on l'entend. On empêche on veut forcer des enfants à manger de la viande dans les cantines. Tariq Kadhi, étudiant en droit et vice-président étudiant de l'Université Paris 13. Et moi, j'appelle ça du racisme. Hein. C'est vraiment du racisme. On se cache derrière la laïcité, mais la laïcité, finalement, la laïcité, c'est quoi? C'est la neutralité religieuse de l'État. Personne ne l'a remis en cause. Hein. Mais ça, c'est du racisme. Mais aujourd'hui, c'est plus simple parce qu'on peut se cacher derrière la laïcité et puis on peut dire plus facilement qu'on est islamophobe, alors que racisme, ça passe pas très bien aujourd'hui. L'islam, ça n'est pas simplement une confession, un mode de croyance, c'est aussi une identité. Leïla Babès, professeure de sociologie des religions, auteure du Voile démystifié. Être musulman, c'est être différent, c'est avoir son identité. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui rassure, qui tranquillise, qui fait que ces jeunes musulmans se retrouvent dans un cocon entre eux. Nous sommes dans l'entre-nous. C'est quelque chose qui sécurise, qui tranquillise. Mais en même temps, c'est dangereux parce qu'il y a un risque de rupture par rapport à l'ensemble aux autres citoyens qui sont des concitoyens. Et c'est aussi quelque chose de dangereux parce que il y a un discours de victimisation qui est extrêmement prégnant et qui fait qu'on voit des ennemis partout. Mohamed Harkoun, ces jeunes musulmans disent leur différence, disent nous ne sommes pas extrémistes, Ben Laden, nous n'en voulons pas. Ils parlent d'un islam à la française ou d'un islam européen. Est-ce que ça existe? Ça existera, j'espère, un jour, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Parce que le langage de ces étudiants, je le connais depuis 30 ans. J'enseigne à la Sorbonne depuis 30 ans. Et comment je parle avec mes étudiants lorsqu'ils me tiennent ce langage? Je leur dis, bon, vous voulez porter le voile? Ouvrant le Coran. Parce que c'est du Coran que vous tenez cette injonction de la foi pour venir avec le voile. Et je passe 3 heures, 4 heures, je consacre 4 cours, 5 cours de suite aux problèmes posés aujourd'hui par la lecture du texte coranique. Comme le font les théologiens, encore une fois, protestants, catholiques, juifs, bien sûr. Et eux, ils n'ont pas accès à ça. Ni dans la littérature arabe dans laquelle s'exprime la pensée islamique, l'exégèse islamique, etc., ni encore moins dans les sciences sociales qui fournissent les outils nécessaires pour relire ce texte, le relire à nouveau frais avec les données de la connaissance aujourd'hui. Ils n'y ont pas accès. Et parce qu'il n'y a pas d'espace pour leur donner. Monsieur Harkoun à Paris 3, c'est un petit brin dans un océan. Il y a cet aspect du problème, donc c'est une partie de l'explication. Mais c'est énorme ça, madame. Bien sûr. Il y a une autre explication qu'ils donnent dans le reportage. Ils disent, mais nous on est confrontés sans arrêt au racisme. On regarde l'autre. Est-ce que les sociétés européennes sont plus racistes? Est-ce que c'est elles qui sont en partie responsables du durcissement de la communauté musulmane? J'ai fini. Oui, oui. Quand ils disent racisme, je les arrête, je leur dis, c'est le clash des ignorances. Parce qu'il est vrai que les Européens
ne connaissent pas le développement de l'islam en tant que pensée, en tant que culture. Cette connaissance manque aux citoyens. Or, nous vivons dans un espace citoyen, on se fréquente constamment. Mais les musulmans eux-mêmes, quand ils tiennent ce discours, sont aussi ignorants que les Européens eux-mêmes, et ils se victimisent. Mohamed Harkoun, notre journaliste Frédéric Boissé a été frappé par la césure, par la rupture entre ces jeunes musulmans et la génération de leurs parents. Nous allons les écouter et ensuite nous allons en discuter. J'étudie pas l'islam radical ou un autre islam ou l'islam modéré. Pour moi, j'étudie l'islam. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les Français musulmans sont, je pense qu'ils sont vraiment un renouveau religieux. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau. Je pense aussi que c'est la traduction des textes en français qui fait aussi qu'aujourd'hui ils sont plus accessibles. Et oui, ça doit être ça. Alors qu'autrefois, quand c'était en arabe et que les gens ne connaissaient pas cette langue, enfin surtout ne la lisaient pas, c'était beaucoup plus difficile. Et puis c'était une religion qui était transmise par les parents. C'était un islam plutôt traditionnel. Aujourd'hui, les gens reviennent vers les textes. Les textes sont beaucoup plus accessibles et donc il y a une pratique qui est beaucoup plus rigoureuse vis-à-vis des textes. Et nos parents, pareil, c'était plus un islam traditionnaliste. Ils sont venus, ils ont dit que pour s'intégrer, pour qu'on les accepte, il fallait qu'ils mettent leur islam de côté. Seulement moi, j'ai pas besoin de m'intégrer parce que je suis intégrée. Mon islam, j'essaie de le purifier justement de toute cette vision traditionnaliste. Et j'essaie vraiment d'adopter quelque chose de pur, de qui me correspond, qui correspond pas à mes parents. Les musulmans sont dans un tournant historique. Comme les chrétiens ont mis plus de 100 ans à réorganiser leur façon de croire et d'exister, notamment depuis la laïcité, nous sommes dans cette construction-là. Dounia Bouzard, anthropologue, auteur de « Monsieur Islam n'existe pas ». On regarde toujours qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et eux, de leur côté, ils ont un rapport qui devient pathologique avec ce passé. C'est-à-dire que finalement, ils retournent dans l'histoire, non pas par la pensée, mais par une espèce de processus régressif, où finalement l'histoire de prophète devient le paradis à retrouver, presque. Et la seule façon de retrouver sa dignité, c'est de répéter ce qui s'est passé à l'âge d'or musulman, de répéter le moment de la création du monde, presque. Alors, Mohamed Harkoun, quand vous entendez... C'est triste tout ça. Quand vous entendez ce jeune... qu'on voyait au tout début, là, qui nous explique que finalement l'islam radical, ça n'existe pas, il n'y a qu'un seul islam. Est-ce que vous pouvez comprendre les crispations que ça peut générer dans les sociétés européennes? Mais bien entendu, c'est irritant au possible, parce que ce jeune homme ignore ce qui se passe dans les pays musulmans eux-mêmes, comme je l'ai dit au début. Il ignore que le langage qu'il tient et que tiennent les musulmans, même dits cultivés, est un discours fondamentaliste au sens où le fondamentalisme, c'est la revendication des fondements divins de la loi. Mais ils ne se rendent pas compte et ils ne peuvent pas faire la différence entre la pensée fondamentaliste qui réclame des fondements et les applique de façon dogmatique et ce que j'appelle... excusez-moi, la pensée fondationnelle, qui, elle, recherche et réfléchit sur le fondement à utiliser et à pour légitimer, par exemple, le port du voile aujourd'hui. Mohamed Harkoun, est-ce que cela signifie que l'islam que pratiquent ces jeunes par rapport à leurs parents qui ont une vision ou une pratique traditionnelle de l'islam, est-ce qu'il s'est radicalisé? Est-ce qu'il est encore plus difficile à intégrer? Oui. Il s'est radicalisé parce qu'il y a un mélange détonnant entre la culture démocratique et puis l'institution démocratique qui protège les droits et qui donne la parole à tout le monde indistinctement. Et moyennant ce climat-là, on fait de l'exégèse sauvage, au sens où Lévi-Strauss parle de la pensée sauvage. C'est-à-dire, ils saisissent une opportunité pour projeter sur le texte coranique un certain nombre de désirs qui sont légitimes. Qui sont par exemple quoi? Le désir d'être reconnu, le désir d'occuper une place à laquelle ils aspirent dans les sociétés. Or,
ils ne s'aperçoivent pas que la façon dont ils se relient à l'islam irrite les Européens et fait que les Européens se méfient. C'est vrai. Mais ça, je ne l'appellerai pas du racisme. Ça, je l'appelle le choc des ignorances, parce qu'il y a des ignorances de part et d'autre qui ne sont pas corrigées. Et donc, la réponse politique à ça, c'est de corriger ces ignorances de part et d'autre. Nous nous posons ce soir la question de savoir pourquoi ces problèmes ont émergé. L'une des raisons est peut-être celle que les musulmans modérés ne s'expriment pas assez. Où sont passés les musulmans modérés? Pourquoi ne dénoncent-ils pas publiquement les agissements islamistes? En Allemagne aussi, ces questions, ces accusations ont fusé de toutes parts. Mais la communauté musulmane modérée a réagi et sa mobilisation a été à la mesure de la peur de voir l'amalgame se faire entre l'islam et l'extrémisme islamiste. Un reportage de Kadira. Main dans la main contre le terrorisme islamique. C'était en novembre dernier à Cologne, juste après l'assassinat de Théo Van Gogh aux Pays-Bas. C'est la première fois qu'en Allemagne, des milliers de musulmans descendent dans la rue. Et pourtant, la presse est sceptique. Elle doute de la sincérité des manifestants, réunis à l'initiative de DİTİB, l'Union islamo-turque, une association considérée comme très traditionnelle et sous influence religieuse turque. Nous sommes très tristes. Bekir Alboga, responsable du dialogue interreligieux au DİTİB. Et aussi désagréablement surpris. Alors que les musulmans se sont déclarés prêts au dialogue, alors que dans leur majorité ils condamnent le terrorisme, on attendait de la considération, de la reconnaissance. Et ça ne s'est pas passé comme ça, c'est même le contraire. Et ça nous rend très tristes. Depuis les attentats islamistes du 11 septembre, les associations musulmanes sont inquiètes, on fait de plus en plus l'amalgame entre islam et islamisme. Mais au sein même des communautés musulmanes, les opinions sont multiples. Ainsi, à Cologne, ce groupe aide les femmes à se faire entendre dans leur communauté. On est loin de l'image de soumission présentée récemment à la une des médias. Surtout que tout le monde s'y est mis et de manière assez brutale. Il n'y a pas que le magazine Spiegel à avoir adopté ce style. Stern et Focus se sont engouffrés dans la brèche et se sont mis à taper tout d'un coup là où ça faisait mal. C'est très dangereux pour les musulmans et les musulmanes. Rabeila Müller, allemande convertie à l'islam, se bat pour les droits des femmes. En ce moment, on sent beaucoup de méfiance des deux côtés. La plupart des gens réagissent, je pense, à ce qu'ils entendent dans les médias, et les gens ont très peur. La conséquence, c'est que les musulmans et les musulmanes n'ont plus envie d'aller au-devant des gens, d'aller leur expliquer « voilà, on est comme ça ». En fait, ils se disent « de toute façon, personne ne nous croit ». L'image traditionnelle de l'islam, la voici. Une femme immigrée, arrivée en Allemagne dans les années 60. Une image figée qui ne tiendrait pas compte d'une évolution, celle d'une relative ouverture de l'islam. Werner Schiffauer, ethnologue, parle turc et observe cette communauté depuis une vingtaine d'années. Éviter les conversations, éviter les contacts et surtout ne pas écouter la parole des musulmans renforce la position de ceux qui s'accrochent à une attitude de méfiance. Cela dit, la société européenne refuse un islam authentique. Je dirais plutôt qu'en ce moment, deux positions sont à égalité. D'un côté, les fondamentalistes classiques qui se protègent en s'éloignant de notre société, en laquelle ils n'ont plus confiance. De l'autre, les modérés pleins d'espoir qui parient sur l'ouverture de la société occidentale. C'est le comportement de la majorité de notre société qui va déterminer laquelle de ces deux positions va s'imposer. Pour l'ethnologue allemand, il faut donc écouter les femmes voilées. Toutes ne sont pas fondamentalistes. Certaines seraient même prêtes à remettre en cause les courants les plus traditionnels de l'islam. Le voile n'est pas une question essentielle, c'est ce que l'on pense dans ce foyer d'entraide pour femmes. Elles portent le voile parce que pour elles, c'est un moyen d'identification et qu'elles veulent le montrer. Elles veulent relever la tête. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fondamentalistes. Elles veulent rompre avec ces comportements machistes. Et quand elles ont des problèmes, elles viennent tout de suite.
Elles en prennent conscience beaucoup plus tôt qu'il y a, je ne sais pas, 20 ans. Dans ce groupe, trois femmes ont fui la dictature islamique iranienne. Elles sont étonnées qu'on insiste ici sur les violences conjugales dans les couples musulmans, alors que cela existe dans tous les milieux. Notre expérience professionnelle ne montre pas de différence entre un homme allemand et un homme musulman. Pas de différence dans la méthode, pas de différence dans la terreur psychique et même pas de différence dans les injures qu'ils utilisent. Violence conjugale, voile, soumission des femmes, ces clichés ne tiennent pas compte des changements de mentalité. La jeune génération lutte aussi de l'intérieur contre les contraintes de la religion musulmane. Tous les experts sont d'accord pour dire que les positions politiques et religieuses radicales ne peuvent être combattues que de l'intérieur par les communautés. Ce processus ne peut pas être imposé de l'extérieur. La manifestation de novembre à Cologne a eu le mérite de susciter le débat entre communautés. Laleh Akgün, députée socialiste d'origine turque, s'en réjouit. Mais elle voudrait plus d'ouverture d'esprit. Ce qui me gêne toujours chez ceux qui cherchent à établir le dialogue entre les religions, c'est qu'ils parlent systématiquement des différences. Ils insistent sur les différences et pas sur les points communs. Ils devraient dire « ces religions ont beaucoup plus de choses en commun que de désaccords. Ces trois religions se valent. » Voilà ce que j'aimerais entendre de temps en temps. La cathédrale catholique de Cologne s'affiche imposante à deux pas des rues piétonnes où cohabitent toutes les communautés religieuses. Quelle place à l'avenir pour les musulmans d'Allemagne? Depuis que l'islamisme a gagné l'Europe, le fragile dialogue est bel et bien menacé. Mohamed Erkoun, les musulmans modérés se plaignent en permanence de la confusion. Ils disent vous mélangez islamisme radical, islam tout court. Moi, je suis musulman, je suis pas un excité, je suis pas un terroriste. On a tous des amis comme ça, on sait très bien que c'est vrai. Est-ce que les musulmans modérés n'ont pas une responsabilité importante dans cette image qui leur colle à la peau, dans la mesure où ils auraient dû se désolidariser plus vite, plus clairement, plus nettement des dérives des autres? Écoutez, des interviews comme ça, ça demande énormément d'explications. Par exemple, cette députée qui vient de parler, elle veut qu'on construise une sorte d'espéranto de la religion. Des religions, oui. Des religions. C'est d'une naïveté extrême. C'est très européen. Et j'ai noté que les rares députés qui vient de l'immigration, et en France récemment, au Sénat, je ne sais pas comment les partis politiques choisissent ces candidats qu'ils veulent montrer à l'affiche pour dire « voilà, nous en avons ». Mais quel discours politique, puisque ce sont des politiques, et la politique et le discours politique est d'une extrême importance. Bien sûr. Et quel discours politique ces heureux élus, si je puis dire. Vous dire, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Absolument. Ils enfoncent encore les gens dans l'ignorance, ils les enfoncent dans le discours de victimisation, au lieu de dire fini la victimisation. Il faut faire une étude critique, radicale, des textes musulmans. Il faut lire entièrement l'histoire de l'islam avec les outils de la connaissance scientifique. Voilà le langage dont nous avons besoin. Et le musulman modéré, je ne l'aime pas, moi, cette expression. Pas plus que je n'aime la référence à l'islam authentique. C'est une référence imaginaire. C'est pour faire fonctionner l'imaginaire. Car ça n'existe pas, l'islam authentique. Il y a l'islam dans l'histoire. Le christianisme dans l'histoire. Le judaïsme dans l'histoire. Mohamed Erkoun, essayez de donner un coup de main aux politiques. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire émerger un islam qui soit compatible avec notre style et notre mode de vie? Je rappelle qu'en Allemagne, 10% des musulmans sont structurés et organisés. Donc on a 10% d'interlocuteurs, en France ce n'est guère mieux. Qu'est-ce que les politiques doivent faire? Est-ce qu'il y a des pistes? Absolument. Et vous parlez à quelqu'un qui a lutté, ça fait 30 ans que je lutte. En Allemagne, en Hollande, en Angleterre, en France, en Espagne. Alors il faut faire quoi? Qu'est-ce que je fais? Oui.
j'ai demandé à tous les gouvernements de l'Union européenne qu'ils créent, chacun dans son pays, une grande école nationale, une grande école nationale d'études du fait religieux. Vous m'entendez ? Le fait religieux, pas l'islam, pas le christianisme séparément. Ça, ils le font dans leur synagogue et dans leur mosquée, etc. Nous avons besoin de construire un espace européen de la citoyenneté en intégrant, au sens d'un travail en commun, d'un échange en commun, excusez-moi, en intégrant tous les citoyens qui font difficulté. Ça fait un peu technocratique quand c'est dit comme ça. Une espèce de grande école du fait religieux, abstrait. Non, mais écoutez, regardez avec quelle précipitation nous parlons. Mais oui. De choses extrêmement importantes, et je ne sais pas, peut-être dans 5 ans, 6 ans, vous allez encore faire appel à moi, mais c'est fini, c'est une petite heure, elle est passée. Autrement dit, là aussi, il y a un problème de relais. Et ce relais ne peut être assuré que par les associations culturelles, les activités culturelles citoyennes, et bien entendu par les médias comme Arte. Heureusement, Arte, je reconnais, Arte fait des efforts. Mais ça n'est pas suffisant, vous le voyez très bien. Je peux parler pendant des heures et des heures en commentant chacun des mots de ces interviews. On a encore 20 secondes. C'est la culture qui va résoudre le problème. C'est ça que vous êtes en train de dire. Non. Mais vous voyez. Je ne peux pas. Ce n'est pas la culture. C'est l'interculturalité. D'accord. Et cette interculturalité a besoin d'espace pour s'exercer. Des lieux de parole pour s'exercer. Et cette école, ça n'est pas pour des étudiants, ce n'est pas pour former des chercheurs, c'est pour tous les citoyens. C'est une école tout à fait originale qui n'a rien à voir. Mohamed Harkoun, merci, notre émission est terminée. Merci, politiquement correct. Merci en tout cas de tous vos éclaircissements. Et ben voilà. Cette émission est terminée, merci de l'avoir suivie. La semaine prochaine, Forum vous parlera des Alpes. Et oui, c'est aussi l'Europe, mais elles sont en danger. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet arte-tv.com. Place à Arte Info, le journal de la culture. À la semaine prochaine, à la même heure, sur Arte.